Cabin Crew Association finit dans ce cas la Cour suprême aujourd'hui. Donc maintenant, le fixé pour la fin juin. Et l'administrateur Jimonin Pelletan pour lui soumettre ce ban observation l'affidavit qui finit servi par nous avouer Robin Mardimoutou. Mais en attendant, là, nous pouvons aussi dire qu'il n'est pas content la façon qui ça dossier là peut traiter. Nous n'avons pas peine aucune négociation qui peut faire d'une façon de bonne foi. Et là, nous pouvons mettre une case PIT pour violation de droits travailleurs, droits syndicaux, violation de convention 87 et 98 du Bureau international du travail, et aussi Employment Relations Act. Nous finissons aussi rentrer une case Human Rights Commission. Et là, nous pouvons redire au gouvernement, nous faisons appel au Premier ministre, pour personnellement, parce qu'il nous trouve un pays comme l'Afrique du Sud, comme la France, comme Singapour, depuis de nous soutien, de la compagnie nationale. Nous comptons que le ministre des Finances une annonce de ce budget pour le soutien National Carrier. Mais il nous faisait précision, il n'est pas de mentionner Mauritius, il était National Carrier. Et quand finalement, il y a Mauritius au final au niveau Board. Donc nous faisons précision et parce qu'il nous fait jouer l'avenir des travailleurs qui amènent aux autres innocents. Parce qu'il qui prend décision, il y a une intervention politique pendant des années à Mauritius, il y a une décision qui est dénoncée. Il est dénoncé par beaucoup de monde, mais qu'il est d'ailleurs aussi, il est dénoncé par beaucoup de affaires qu'il fait. Nous ne sommes pas capables de dire que les travailleurs qui payent les pots cassés. Et là, nous attendons que le gouvernement et nous attendons la Cour qui vont décider. Mais encore une fois, nous refaisons un appel au Premier ministre qui, et personnellement, nous faisons une rencontre avec lui. Nous attendons que s'il donne sa rencontre-là, il faut me penser, il faut être pour capable d'amener un soulagement. Drame humain qui savait représenter pour un travailleur dans Mauritius.